Alors, pour les vacances cette année, actuellement, c'est pas possible. Je prévois éventuellement de partir peut-être au mois de septembre. Et puis, du fait que je suis en vacances toute l'année, voyez-vous, je ne pars pas pendant. Je laisse la place aux autres personnes qui doivent absolument partir au mois de juillet et août. Alors, pour les vacances, je prévois de partir dans mon pays, Portugal. Donc, aller à la plage, bronzer un peu, profiter un peu de mes vacances. J'habite dans une ville qui s'appelle Coimbra. Puis, bah, je suis juste à côté de la mer, je suis à 15 minutes de la mer. Cette année, nous allons certainement à la montagne, à Champéry, en Suisse. On profite de ce qui se passe là-bas. Il y a les rencontres musicales, il y a les randonnées, et puis il y a des restaurants dans les... des cantines, disons, sur les Alpes. Mes vacances, je prévoyais de finir tous mes travaux, rattraper mes travaux pour préparer les robes pour l'hémisphère de Genève. Et après, je pars en vacances pour aller faire mes achats. Je vais aller en Chine parce que c'est des marchandises que je peux trouver, toutes les marchandises que je peux trouver pour ma couture. Parce que Genève est très limitée. Je pense partir en croisière. Pour 2 semaines, je vais faire un tour Barcelone, Sicile, toute la côte méditerranéenne. Je ne prévois rien du tout parce que je suis retraité et puis voilà quoi. De toute façon, j'ai pas assez d'argent pour partir en vacances. Comme d'habitude, je vais me promener, je marche, je m'occupe du jardin, puis je bricole. Quoi. Je bricole beaucoup, j'ai un petit atelier, puis je bricole. Mais c'est ce que je fais en général, c'est ce que je fais toute l'année. On est déjà parti à Palma et là on part au Vrona. Petites vacances à la montagne, balade, piscine, voilà. Être avec mes enfants. Je allais en vacances à Croatie demain et pour 2 semaines. Pour les vacances d'été, on profite à faire nos pèlerinages pour aller à Milan, Italie, à louer le Seigneur et tout, chanter au Dieu et écouter la jeunesse dans la chorale.